Salut, c'est Squeak et bienvenue sur Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une moissonneuse-batteuse. Alors, vous voyez, j'ai placé les roues, donc deux grandes roues à l'avant et deux petites roues à l'arrière. Donc, ça correspond à l'avant et à l'arrière du véhicule. Entre chaque grande roue, entre les deux grandes roues, il y a trois blocs d'espace. Et entre les grandes roues et les petites, il y a six blocs. 1, 2, 3, 4 axes. Voilà. Alors, pour le matos, je suis désolé, mais j'ai pas tout ce qu'il faut sur moi, j'ai même rien du tout, et donc je me le guiderai au fur et à mesure. Donc on est parti. On va commencer par placer des dalles en pierre ici. Alors, par contre, je vais devoir casser du coup mon champ. J'ai pas prévu. J'ai fait le champ avant, bien sûr. Hop. Tac. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de péter la roue. Pire. Voilà, on va faire comme ça. Je m'excuse. La moissonneuse a une épaisseur de plus. Comme ceci. Hop, alors ensuite on va venir faire un carré. Comme ça. Je me suis loupé. Un carré plus grand. Comme ça, alors on peut remplir. Hein. Il faut remplir d'ailleurs à l'intérieur. Tac, 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 tac. Tac. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de la couleur. Ça peut être n'importe quelle couleur. Moi j'ai choisi d'utiliser du jaune, donc j'ai utilisé de l'argile durcie jaune et du bleu, du blanc. Donc là j'ai utilisé du quartz. Donc on va venir mettre deux couches de jaune en bouchant ici et en laissant un petit trou au milieu pour le blé, pour stocker les grains de blé, tout simplement, pour la moissonneuse-batteuse. Comme ça. Ensuite, on va venir mettre par-dessus une couche de blanc. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va passer derrière. On va venir faire l'arrière. Alors, il me semble, oui, c'est le moteur. Tout simplement le moteur, la moissonneuse-batteuse. On va pas s'embêter, on va pas faire l'intérieur du moteur. On va faire quelque chose comme ça. Une couche de jaune, une couche de blanc. Et sur suspense, une couche de jaune. Hop. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais venir détailler un peu tout ça. Ça je m'en fous. Je vais venir prendre un portail et un bouton en pierre. Ensuite, je vais faire ça. Deux portails comme ça. Je vais ouvrir celui-ci. Je vais cliquer sur le bouton sans faire exprès. Et je l'ai mal mis. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça, on a nos roues. Ensuite, on va venir faire le mât de la moissonneuse, donc le tuyau pour exporter le blé dans une remorque par exemple. Donc on va venir mettre des dalles comme ça, plus un entonnoir ici, comme ça, voilà. Ça c'est bon. Ensuite on va venir remettre une couche de jaune en suivant le même sens comme ça, et ici en laissant les deux blocs de libre. Hop, voilà. Ici on va venir mettre des blocs, on peut dire que c'est pour faire joli, hein, franchement. Voilà, donc des blocs moteurs, des petits machins pour décorer. Alors moi
comment je fais? Je mets deux dispensers, une trappe et un bouton dessus. Et ensuite, je recouvre de tapis gris. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Ensuite, ici, je vais venir mettre deux blocs jaunes. Oubliez que c'est un dispenser. Ensuite, ici, je vais mettre une grille. Donc, ça sert de filtre pour les grains de blé. De répartisseur, quoi. De toute façon, ça se voit pas, alors c'est pas vraiment obligé de le faire. Faites comme vous voulez, c'est votre création, pas la mienne. Voilà, donc maintenant on va faire la cabine et l'avant. Pour ça, on va venir mettre des dalles de pierre, comme ça. On va venir mettre des vitres. Alors moi j'ai choisi d'utiliser des vitres teintées noires. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, les vitres que vous voulez, et teintées ou pas. Hein. Franchement, c'est vous qui décidez. Je galère un peu. J'ai absolument pas la souris pour faire ça. Hop, voilà. Tac. Tac. On va mettre 3. Tac. Ah. Je suis désolé si je galère à faire ça. Pourtant quand je file pas, je galère pas, c'est juste. En utilisant Fraps, ça rend moins fluide Minecraft. Du coup, je galère pour faire ce truc. Voilà, alors ensuite on va s'occuper du poste de commande. On va faire un truc tout simple. Moi j'aime bien l'idée du pilier en pierre. Donc en fait c'est un mur en pierre rattaché à rien. Ça. Alors ensuite, c'est vous qui choisissez. Soit vous voulez que votre moissonneuse batteuse soit esthétique, vous faites le choix esthétique, vous mettez un simple siège en bois, bon, ben, voilà, c'est normal. Soit vous voulez que votre moissonneuse soit pratique, bon alors au sens pratique, j'entends qu'on puisse tout simplement monter dedans comme les autres véhicules, j'adore cette fonctionnalité personnelle. C'est très simple, on met un minecart, hop, ça, on peut le rail, tout ça comme ça, on va chercher ce foutu pilier en pierre, j'avais pas prévu que le rail ne se tomberait pas, parce que je suis pas orienté au nord. Ensuite, on va aller chercher le minecart, hop, et on va pouvoir s'asseoir dedans, voilà, bravo. Ensuite, on va venir fermer la cabine parce qu'on va dire qu'elle est en action. Enfin, là, en même temps, je l'ai mise au milieu d'un champ, donc je pense qu'elle est en action. Après, voilà. Ensuite, on va venir mettre, hop, ici, un petit tapis comme ça. Puis, une échelle sur la roue pour monter sur la roue pour accéder à la cabine. Parce que c'est vrai que c'est un peu haut pour les nains. Ensuite, on va venir boucher, n'importe quoi, un toit c'est pas pour boucher, c'est pour protéger. On va venir faire le toit, hein, tout simplement. Je reprends mes dalles en pierre que je cherche partout à chaque fois. Hop. On va venir faire ça, comme ça. Tac, tac, tac. Tac. On va venir passer, pas là du tout, justement. Je fais exactement les erreurs que je ne peux pas faire. Hop. Comme ça, voilà. Puis on va monter les deux bords comme ceci. Que ça fasse une trappe pour celui qui veut aller s'éclater dans la réserve de blé. Non, bah, bref, c'est une trappe pour accéder au truc de blé. La citerne de blé, je possède comme ça. Alors ensuite, on va venir mettre des panneaux solaires. Donc en fait, c'est des capteurs jour-nuit, mais avec le Flows HD Revival, ils se transforment en capteurs solaires, qui ne fonctionnent pas. Juste pour prévenir.
Ensuite, on va venir mettre des comparateurs de redstone, parce que vous savez peut-être pas, moissonneuse-batteuse a des gyrophares. Or ça, ça fait gyrophare. Voilà, simple. Et ensuite, on va venir mettre un petit bloc. Voilà, simplement. Un pot de fleurs ici, pour faire une petite cheminée. Une petite cheminée de moteur, quoi. Tout simplement. Voilà, bah ensuite, je vais en profiter pour mettre une échelle ici, puisque pour accéder au moteur et à la citerne de blé, si on peut faire un plan, pourquoi pas, il faut monter par là. Voilà. C'est dit comme ça. Je réfléchis à un petit truc sympa aussi. Pour que le conducteur ait l'œil sur sa réserve de blé. Une petite fenêtre derrière. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va passer à la fourche. Au truc qui pète le blé, juste. Super définition, le truc qui pète le blé. Hop. Et ici, je vais faire ça. Ah! Je vais mettre devant des escaliers en bois, pardon. Vous utilisez le bois que vous voulez, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Hop, 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 hop. Ensuite ici, on va venir mettre un escalier comme ça, de côté aussi. Puis, ici, un escalier renversé, tac, tac, comme ceci. Et ensuite, mettre une dalle en bois. Comme ça. Bon après, ce qu'on peut faire, c'est amener ça. Ça consomme des ressources. Après si vous êtes en créatif, vous en foutez. C'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, tout est comme vous voulez. Si vous n'aimez pas les gyrophares, vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas les vitres, regardez, vous n'aimez pas. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Le client est roi pour le viewer est roi. Hop. Ensuite, on va venir mettre sur le canal comme ça à la fin. Puis, on va venir mettre la touche finale. Pas la touche finale. Hop. Donc, des enclumes. Et je vais prendre aussi des toiles d'araignée. Donc, les enclumes, je vais les foutre comme ça. Voilà. Puis, je vais venir mettre mes toiles d'araignée dessus. Enfin, dessus, hop, comme ça. Je vais les mettre par le côté. Et voilà, vous avez votre moissonneuse-batteuse, qui n'est pas fonctionnelle, désolé, je peux pas tout faire, je fais pas de miracle. Et donc, bah voilà. Alors, bah comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, tout simplement, n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, dites-moi ce qui va pas, bon, je sais ce qui va pas, hein, c'est le micro qui est complètement pourri, désolé, voilà. Pourtant, je pensais que c'était une bonne marque. Et puis abonnez-vous pour voir d'autres tutos véhicules sur Minecraft, des tests de jeux, et puis je prévois plein d'autres choses qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Voilà. Bah, à la prochaine.